Et go, on se fait plaisir, Zou. On se lance dans le jeu, soyons fous. Soyons fous. Oui. Sauf que c'est pas en plein écran, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien alors que je fais déjà mon idiot. Donc c'est bon signe, ça veut dire en plus que j'ai la pêche. Oserais-je dire enfin? Ah, j'espère que bah, en ce début d'une caisse Pascal. Je parle trop vite. J'espère qu'en ce début de week-end Pascal, vous allez bien. J'ai connu un copain qui voulait fêter le printemps au moment du week-end Pascal. Mais c'était un coquin. Il rêvait de se faire mettre la main sur ses œufs par la première cloche venue. Fallait que je la place. Non, mais c'est vrai en plus. C'est ça le pire. Un vieil ami, bonjour. La race moquette, j'espère que tu Qu'est-ce vas qu'il y a, bien. Spike? Pour info, si t'as besoin de moi, je serai au débarcadère. Je vais aider Morgane à préparer la barge. Je suis mon ego, mais ça me rappelle un bon souvenir il y a, wow, il y a 10-15 ans de ça. Il y a 15 ans de ça, je crois même. Oh, t'en passes trop vite, c'est horrible. Digipat sur Grenoble. Alors évidemment, Patrick de son vrai prénom. Et c'est un beau copain. Je sais pas, on a souvent échangé pendant 2-3 ans, puis après plus rien, les hasards de la vie. On s'était rencontrés sur le chat d'une web radio. C'était Pulse Radio, je crois, la web radio. Et on avait en fait comme fibre commune le fait d'aimer la musique électronique, tout ce qui est techno, etc. Et puis on se vannait sur la fin, quoi. Mais c'est un mec bien dans le fond. Il m'a laissé une bonne image de lui. Je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai pas suivi. Enfin bon. Tu ça va très bien, toi, c'est cool. Ah bah j'en suis rêvé, la race moquette. Alors, la race moquette, je pense que Torota t'a mis dans le secret, enfin qui n'en est pas un, j'abuse dans le propos. Tournoi de Bibi, il a été adorable. Normalement, ça aurait dû être prévu cette nuit, enfin ce soir, en gros de 21h à minuit. Et puis comme il se trouve que je vais faire exceptionnellement le commentaire chez FunFan au même moment. Torota, il a eu la gentillesse de décaler son. Voilà, à dimanche à cause de moi. Ouais. Non, je reconnais, mea culpa, mais c'est Torota qui est adorable. Puis il voulait que je participe, donc je l'ai prévenu dès que je lui ai dit qu'il y avait un conflit dans l'agenda. Je lui ai dit, merde, je suis désolé, mais tu passes à la trappe. Donc dur. Mais j'ai envie de dire, ça a été bousculé pour de bonnes raisons. Pourquoi? Parce que il va y avoir un événement rarissime sur ma chaîne tout à l'heure. Je vais faire un jeu en coop, en direct. Pour tout avouer, la race moquette comme t'es matinale, c'est bien. Je vais faire Portal 2 en compagnie de l'ami Twinsen. À mon avis, ça va pas être triste. On va le faire en gros. On va peut-être essayer de le faire d'une seule traite en coop. On va le faire de 14h à 21h. Et du coup, de 21h à minuit, on aura chez FunFan l'épisode commandé. Commenté, pardon. Alors, la race moquette, tu dis non, je rigole, t'en fais pas. Il a pensé à tout le monde, ce qui est adorable de sa part. Ah non, mais oui, mais Torota, il est chou. Il est adorable, ce garçon. Tu sais, je commence à culpabiliser avec Torota en me disant merde, je lui rends pas l'appareil, je suis pas assez sympa, je suis rarement là dans Minecraft. Mais bon. Je m'organise mal, à vrai dire, au niveau emploi du temps, loisir. Mais. Malheureusement, à mon insu, j'ai la fatigue. Coucou. La fatigue m'a pas mal rattrapé on va dire ces 2 derniers mois. Ça me joue des tours comme ça m'en a jamais joué. Oh, j'ai un pêle-mêle dans mon périphérique de jeu. Attendez, avant. Heureusement que vous avez une vue magnifique dans le jeu. J'aurais dû démêler mes câbles avant de lancer mon direct. Parce que j'ai des sacs de nœuds, je sais pas si vous voyez, j'ai des boucles comme ça. C'est une catastrophe pour les câbles. J'ai entendu le coucou à Tunsen. Bonjour Tunsen, j'espère que tu vas bien. La 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 la. Ah! Ah, le pêle-mêle. C'est horrible quand il y a de la tension dans les câbles, on le sent. Voilà, là mon câble il est bien. Il est libre!
Il est libre, hein, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu rebrancher. Ouais, allez, je vais faire comme ça. Ouais, j'éteins le rétroéclairage du clavier histoire d'économiser de l'énergie au niveau de l'USB. Ça m'évitera des bugs ou je sais pas quoi. Mais pourquoi je suis pas en plein écran? Le jeu devrait être en plein écran là. Ouais. Non, dis rien du tout. Bah. Bizarre, habituellement je l'ai en. Ah, ça y est. C'est mieux. Bon, coupe les fils, ça ira plus vite. mais non, pas de sabotage, je vous prie. Merde, ça y est, j'ai déjà perdu une flèche. C'était le top départ de la journée de fou qu'on va vivre ensemble. J'en étais dans retourner voir les... Ah ouais, les jumeaux ingénieurs. Ils sont dans le village de pêcheurs? Déconne pas. Tu as téléchargé le jeu de tout à l'heure? Alors non seulement il est téléchargé, mais il est à jour, il est... Ouais, ouais, il est bien. J'avais fait ça 15 jours auparavant, mais tu fais bien de le rappeler, t'es précautionneux. Non mais le chemin il est complètement abrupt, c'est n'importe quoi. Attends, le chemin de grimpette c'est pire que dans les Alpes. Faut arrêter. Oh, j'ai cru voir un Gambi. Oui, on fera les touches le, au moment de s'échauffer au début. Faut pas s'en faire. Bonjour Nayonet. Ça me fait penser, j'ai pas bu de mon café au lait alors que je me le suis servi depuis. Wouh! Bon, une heure, ce serait mentir. Mais ça fait depuis une demi-heure qu'il est dans ma tasse et que je l'ai pas siroté. Mais il est où le vendeur? Il est encore planqué? Lumière! Merde, elle est où la torche dans le jeu? Elle est là. Ou oh, c'est lui le monsieur qui vend? Ah, c'est lui, pardon, j'avais pas vu qu'il clopait. Il clope devant son magasin. Une faucille ottomane. Oh mon dieu. Et le piolet de grimpeur. Ah ouais. Ouais, c'est du matos de qualité. Oh la vache, ça fait des dégâts et ça tient à mon bout de temps. Avec trois améliorations, ouais, ça coûte une blinde. Oh. La machette militaire. Yibi. Oh, des flèches d'incendiaire. Je veux... Alors, non, les flèches, je me les fabrique maintenant, je les achète plus. Vendre, j'ai pas de conneries à vendre. Tu me diras, c'est le début de la partie. Alors, les frangins fous furieux, là, ils sont où? Les ingénieurs de mes deux. C'est là où je vais me rendre compte que je me suis planté. Ah non, ils sont là, ça va. Ah, les v'là. Il doit être porteur de toutes sortes de maladies. De quoi? Bon, bref. Heureux de vous revoir, monsieur. Comment il s'appelle? Crane, comme la boîte vide qui est posée sur son cou. Dites-moi ce qu'il vous faut et je me mettrai en route. Du ruban adhésif. Des câbles? Il nous faut 10 rouleaux de ruban adhésif. Non, il nous faut 10 câbles d'alimentation. Du ruban. Des câbles. Du ruban. Des câbles. Du ruban. J'ai compris, il vous faut les deux. Exactement. Exactement. Fin de la conversation. Au travail. Ah, qu'ils sont cons. Eh, mais j'ai déjà ça sur moi avec tout ce que je ramasse. Mais j'ai déjà tout en fait. 10 rubans adhésifs, 10 câbles. C'est du bon travail, le primate. Vous surpassez largement vos capacités. On dit que pour s'améliorer, il faut jouer avec un adversaire meilleur que soi. C'est clair. Votre contact avec Tolga et moi a nettement augmenté votre intelligence. Y'a pas de quoi. Une dernière tâche et nous aurons terminé. Dis toujours. Il y a une base militaire de l'autre côté du pont écroulé. Vous allez prendre une tyrolienne pour l'atteindre. Grâce à l'intelligence que vous nous avez empruntée, vous trouverez un sonar militaire mobile. Rapportez-le-nous. Rapportez-le-nous. En outre, Monsieur Dahl voudra vous voir. Alors utilisez du déodorant et essayez de ne pas trop baver. Très bien. Au travail. C'est un calvaire de vous regarder. C'est de la mousse qui pousse sur vous. Vous devriez bouger. Le temps passe, mais il ne bouge pas. La loi de la relativité indique que tout est en mouvement. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Oh, les salauds. Excellent les dialogues. Oh là 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 là, les deux frangins barges. Petit rappel, ce jeu est gratos sur l'Epic Game jusqu'à jeudi prochain. Oui, tu fais bien de le rappeler. Ouais,
Merci, c'est une scène. Il y a aussi Bastos. Tomouf qui a fait un rappel sur mon Discord en balançant carrément le lien pour ceux qui veulent télécharger direct. En dehors du jeu là, je sais plus, il y en a un hier que j'ai pu revendiquer, c'est sûrement grâce à toi, tu une scène, merci. Le Stellaris, je sais pas quoi là, un jeu de stratégie spatiale. Bon, celui-là était sur Steam, je lui pourquoi pas. Donc j'ai revendiqué mon droit à la copie à un exemplaire. Alors, récupérer le sonar dans le QG situé sur le pont. Ah mon dieu, mais c'est sur la scène pacifique. Ah. Je capte les transmissions de tous les quartiers. Les transmissions de tous les quartiers. Pourquoi la maison là, elle est mise en avant par rapport à... Sur le radar, elle est bien... Non, 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 il pionce au-dessus de l'eau. Mais bon. Attends. Ah, sur le pont! Waouh, moi apprendre à lire. je vais pas le prendre tout de suite. C'est pas urgent, il reste une semaine. Oui, tu vas voir que tu vas le louper, Nayonet. Enfin, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu as pris les lunettes de Funfan. Ouais, on pourrait croire. Hein. On pourrait croire. On va mettre ça sur le fait que je suis réveillé depuis à peine une heure. Et puis je suis baba. Vache. Que je suis baba cool. Le comité d'accueil. Mais. Oh, j'arrive pas à maintenir la touche. Tous les jeudis à 17h, ouais, ils font la. La bascule. Bah, je vais reprendre mon chemin de mes deux là. Ouais, forcément, les zombies me coursent. C'est un petit chemin qui sent bon la noisette. Bah, je sais plus c'est comment l'air de la. En plus, c'est censé être une chanson française célèbre. Mais je retiens pas. Papa, 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 padipidipidou. Alors, le pont, mesdames et messieurs, le pont, pom. Wow! L'autre, il m'a balancé son projectile, le salopard. Oh là 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 là. On va peut-être changer d'arme, je sais pas. Non, peut-être pas celle-là non plus. Coucou! Et j'arrive pas à l'atteindre. Voilà, viens dire bonjour. Il est mort. Oh, magnifique. Je suis pas prêt de le revoir. Il est tombé. Oh, et puis il est tombé au pire endroit. Il a dû se fracasser 50 mètres plus bas sur le goudron. Celui-là, franchement, j'étais pas prêt de le revoir. Il n'y a pas des végétaux cueillettes. Non. C'est le chemin, il y a des déchets, c'est dégueulasse. C'est pollué. Alors, petite scène de sport et séance de sport sur les pans. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Alors, en plus ces zombies ils ont l'air méchants dans les yeux, donc j'hésite à le prendre. Ouais. Il te trouve un peu trop à croquer. Ah bah tiens, le ruban adhésif des frangins. Oh les gémissements. Ah non, ah, je croyais que c'était exploitable mais non. Oh, fougon de la police. Aïe, mince, je me brûlais.
Et pas mettre la main sur la carcasse brûlante. Ce chien est une escroquerie. Oula, c'est dangereux ça. La mare de pétrole au sol. Oh merde. Non, non, non. Je la vois venir, la surexcité de service. Oui, je suis là, la vilaine. Allez, viens. Oh, bah, tiens, j'en ai deux pour le prudent. Allez, c'est parti. Eh merde. Ils vont me bouffer littéralement. Oh là là. Ça commence. Non, ça c'est les fusées. Toi tu redescends. Je réfléchis. Oh, le grappin. Je pense jamais au grappin. C'est vachement pratique. À mon grand tort, j'y pense jamais. Je prends mon temps. Ah oui, c'est vrai, j'ai les flèches. Merde. Oh. Il y a du bol, il a pas. Oh, j'aime bien jouer avec mon arc. Il est tellement efficace. C'est le bonheur. C'est ça. Eh, il y en a du monde. Hop là, fini. Ah oui, lui j'ai mal visé. Wow, elle marche trop vite. Ou il, je sais plus. J'arrive même plus à distinguer les jarres dans les zombies, ils sont tellement écorchés les malheureux. Non ! Dégage ! Déjà pété ! Oh là là ! L'arme en mousse, quoi. Oh, je suis mauvais ce matin. Je joue mal, hein. Ça craint. Mis mes flèches, je veux bien les récupérer. Mais je suis très mauvais ce matin. Ils n'auront cesse de me... Hein, de me bouffer par petits morceaux. Oh là là, la catastrophe. Allez, au suivant, venez me bouffer. Aïe 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 aïe. Évidemment, l'autre m'a chopé du pied. J'ai perdu mon impulsion. Sinon, c'est pas drôle. Allez, virez-moi tout ça. Vilain zombie, merde, il m'a gerbé dessus, c'est dégueulasse. Ben non, c'est pas l'idée de gerber, c'est l'idée d'avoir plein de gaz. Il est en voie de devenir un aérophagique, là, j'ai envie de dire. Oh là 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 là, il en faut de l'endurance. Yalos ! Ouais, Ballastar Galactica, ouais, c'est ça. Wow. C'est ça, c'est ça. HP, volontiers, contre le pneu du bus. Pourquoi? Comment il est passé, lui? Allez! Crac! Ce final! Trop bien! On se croirait dans les grands films d'action américains. Bon! Mais! Possible! Oh! Mon loot! Comme ils disent dans le jeu vidéo. Du matos du loot! Remboursez-moi les 10 câbles et les 10 rubans adhésifs que j'ai passés au frangin. La 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 la. Mais pourquoi je me fais... Ah la vache. Attends, faut que je reprenne mon souffle moi. Hop là.
Oui, il y en avait une là, elle était dangereuse. Merde. Arme inefficace. Faut que je la répare, que je me soigne. Aïe, 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 aïe. Allez, hop. Bon, faut que j'avance aussi. C'est pas tout de m'amuser à faire un carnage. Mais surtout qu'ils sont très nombreux en face. Eh oh, la surexcité, là. Si, si. Comment que je l'ai propulsé. Ah, dos pillé. Ton dernier lien, tu ne sais, on peut pas l'avoir. Ah, merde. Le tic-tac puppet. Tic-tac puppet. Ça y est, encore une excité. Allez. Hop là. Faut que je distingue les excités là et que je les neutralise. C'est bizarre, ou alors pas sous le pont peut-être. Oh. Alors, j'ai combien de pétards? J'allais même pas le voir, j'en ai plus de 100. Bon bah j'en ai utilisé un, c'est rigolo. les fusées vont pas me servir. Des motofs. Ah, j'en ai pas tant que ça des motofs. Hein. Mais bon. J'en ai pas. Compétences, on est d'accord. Hein, j'ai pas de points à développer. Non, j'en ai pas. J'étais relativement peinard là. Hop là. Très bien. Parfait. Strike. Magnifique. Je suis en train justement de cumuler les points d'expérience en les cramant. Merde, qui c'est qui m'a craché dessus? J'ai un vomito dans le coin, mais je le vois pas. Il est où? C'est pas possible. Il est où le vomito? Il y a un vomito. Pff, je sais pas. Oh, j'ai eu un max de points. J'ai fait du zombie cuit. Zombie cuit. Et hop, me sert de pour. Ah, c'est horrible. Hop, je te monte sur les épaules. Hop là. C'est horrible. C'est horrible. Après des air strike, zombie strike. Ouais. Je te l'accorde. Je te l'accorde, il y a un peu de ça. Ah bah, là. Un aérophagique, voilà. On n'en parle plus. Là aussi, magnifique. Alors, hop là, hop là, hop là. Merde, j'ai loupé mon saut. Lui, il va me gêner. Finalement, il m'a aidé. Et c'est par de là le... Oh là là. Ah, c'est vraiment au bout du pont, quoi. Là où il est brisé comme une biscotte. Ah! Non, pas la voiture. Hein? Oh, il faut que j'aille au grappin. Oh non, c'est l'autre partie du... Oh mon Dieu. Eh hey! Mais vous avez fini, oui. Ah, c'est un excité de mes deux. Tiens, va tomber dans l'eau, toi. Allez, oh bon. Oh, oh la chute. Oh la vache. Ils se jettent dans l'eau, les idiots. Ah, complètement. Bah là, c'est des policiers. Merde! Allez, vas-y. On voit que t'as envie de plonger. Allez, fais-toi plaisir. Mon Dieu, cette scène. Cette scène est surréaliste. Mais c'est horrible. Oh mon Dieu. C'est dingue. Bon, bref. Par contre, le harpon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire à la vue, je n'ai aucune accroche valable pour le harpon. La question est, comment je rejoins l'autre côté? Wow. J'espère qu'il fallait pas aller en haut de la tour et faire une descente en tyrolienne. J'ai l'impression que c'est ça. Merde! Ouais, une manif à zombies, ouais, c'est ça.
Oh là là, mais il y en a combien qui chutent? Oh mon dieu. Non, mais je peux pas faire de la tyrolienne avec les câbles là. Mais non, ils sont trop proches des gros tuyaux. Je vais y rester, moi. Attends, quand j'ai une accroche du... Ouais. Ça se referme le... Mais attends, mais comment... Merde, j'ai un excité qui vient me voir, là. Non. Ah oui, il y a lui. Voilà. Merde. Mais j'ai rien pour m'accrocher. Ça craint. Oh. Voilà, on n'en parle plus. Alors, il y a du loot. Il y a du loot. Oh, merdoum, je fais comment? À aucun moment le grappin il réagit, ça va pas. Le bus, en étant sur le bus, j'aurai une hauteur, une... Tu vas voir que le bus va basculer dans le vide. Oh là là, le truc de fou. Merde. Eh, calmos les fous. Attends, mais c'est pas possible, vous voyez avec moi. Je peux pas faire tyrolienne sur les câbles, il y a le tuyau juste en dessous. Je vais juste crever si je fais ça, moi. Wow. Oh, ce plongeon. C'est dommage qu'ils aient pas programmé le plouf. Ça aurait été superbe. Bonjour, Edgen. J'espère que tu vas bien. C'est si tu peux. Ah bon? Bon, bah, on va faire tyrolienne avec le... J'ai du mal à me projeter, en fait, dans l'idée de réaliser une telle acrobatie. Je sais que Crane est un super athlète, mais quand même. Pour pas dire un surhomme, mais... Ah, si seulement j'avais le temps de crocheter le fourgon de la police, mais avec tout ce monde... Merde, j'ai un super excité. Allez, hop, dehors. Bon, tant que j'aurais pas calmé mon super excité, je serais pas tranquille. Voilà, on n'en parle plus. Alors... Oh, cette phase d'escalade de fou. Là, on peut le dire, c'est vertigineux. Hein. J'en frissonne déjà de frousse. Oh là là. Le truc impossible en vrai, en fait. Allez, go. Here I go. Ah merde, je croyais que j'allais ouvrir la porte. Mais non, tyrolienne. Non, j'ai pas le droit de... Attends. Bah, je croyais que c'était ça ma touche R. Bon, tant pis. Je vais faire comme ça au clavier vrai. J'ai pas retrouvé la touche. Le pire, c'est que le lance-grappin, là, il est prêt, là, il est d'accord. C'est juste que si je fais ça, je vais pas me réceptionner comme il faut, alors... Là, 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 c'est pas profond du tout. Ils sont fous. Oh la vache. Là, j'ai l'impression d'être Spider-Man. Alors... Ouais, c'était déjà arrivé. Ouais, ça va, c'est cool. Donc, grappin tenant, tu peux tomber ici. Je reconseille, revais dehors. Alors là, je vois pas comment depuis l'extérieur j'aurais pu. Ah oui. Oh. Oh. Il arrive à faire sa mouche.
Putain, c'est trop fort ce qu'il vient de faire. Comment qu'il a ralenti là? Il est plus humain ce mec, c'est pas possible. Et tu mets le gramin tout en haut. Non, t'es sérieux? Ah oui, t'es sérieux. Oh, c'est vertigineux. Merde, merde, non. Non. Je suis pas doué. Je suis pas doué. C'est dur. C'est dur. Oh, la chute horrible. Oh, la mort. Atroce. Ah bah, je suis en haut. Merci. Bon. Alors, reste à trouver le bon câble de... Putain, la vache, comment veux-tu que je fasse tyrolienne avec ça, moi? Ouais. Là, je vais me prendre les pattes dans les barres. Ouais, c'est plus facile, ouais. Hop là. Merde! Oh, merde. Je confesse que je prends pas le temps de bien prendre l'information, en fait. Je me lance à l'arrache et c'est pas bien. C'est pas bien. Attends, là on va le faire proprement comme si j'avais pas le grappin. Enfin, faut-il encore que j'y arrive? Non, c'était par là, je crois. Non. Non, c'était pas par là. Oh la merde, j'ai failli mettre le pied dans le trou. Oh, voilà, merci. Tac, tac, tac. Voilà, là je suis content, là. Voilà. Burp. C'est le câble, il est où? Bah, il est là. Comment je fais pour... Ah, j'en ai des frissons, c'est vertigineux. Eh ben, il est là, le câble. Oui, appuyez, oui. Oui, c'est ça, je veux. Ça. Oui. Non, mais non. Bonjour, Dragon Sky. Merci, bon week-end de Pâques à toi aussi. Oh, mais pourquoi le héros, il a lâché le câble? Il s'est brûlé les pattes ou quoi? Mais non, mais j'y étais. Oh là 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 là. Escroquerie. Bravo, chef. Hop là. On va y arriver. Oh yeah, oh yeah. Oui, donc c'était au-dessus. Hop là. Voilà. Et je reste appuyé, non? Ah! Oh là là! Cette acrobatie de fou furieux. Bonjour, le monsieur Lapolaï. Lapolaï zombifié. Oh, les pauvres. Ils s'attendaient pas à devenir des zombies. Ils sont devenus des zombies. Il y en a pas tant que ça finalement sur cette autre partie du pont, je trouve. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, je comprends le dispositif en fait. Mais le problème, couper le pont n'aura servi à rien puisqu'ils sont tous contaminés. C'est la merde. Pardon, messieurs, dames. Oh là, lumière, je vous prie. Attends, je vais en avoir derrière moi, forcément. Waouh. Ah, le bus qui n'est pas ouvert, merde. Attends, je préfère respirer un peu d'air frais, là. Oh merde, il y a un pompier boss. Coucou! Oh! Je pensais pas qu'il m'aurait repéré d'aussi loin, le salopard.
Attention. Ah, j'ai mon arc et mes flèches, saligo. Tu feras moins le malin. In your face. In your face. Là, j'ai visé le casque, donc c'est pas cool. Ah merde, j'ai plus d'explosifs et des... Oh, c'est vrai que j'étais à poil sorti de la prison. Merde, j'arrive pas à viser le visage, bordel oum. Merci. Parce qu'ils sont chiants, eux, comme Zombar. Arme brisée. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je la... Faut que je la valse, celle-là. C'est une valse à mille temps, c'est une valse à mille temps, dedans. De Jacques Brel. Tu as déjà fait la quête du pont? Bah, tu, c'est gênant quand tu dis la quête du pont, Edgen, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a déjà une où il y avait un coffre de bagnole à retrouver, là, je sais plus, une noire, une blanche. Et, mais je prends mon temps, hein, comme tu l'as vu, baba cool. Alors Dragon Sky me dit, oh yop cousin, bah je croyais que t'étais sur la route des vacances. J'espère que tu vas bien, prudence sur la route, hein, cousin. Bisous tout plein. Prudence. Tu sauras qu'en Lorraine on a une belle éclaircie, donc je pense que tu devrais avoir une route dégagée bien pour toi. Dragon Sky dit, j'ai adopté l'arbalète dans ce jeu, c'est très jouissif. Oui, bah alors l'arbalète viendra après. Moi, je suis déjà à l'arc et l'arc, j'adore. La prison, je m'en rappelle. Ouais. Tu sais que ça fait l'objet d'un clip, hein, le coup de la prison où j'ai merdé, j'ai pris les munitions sans prendre les armes. C'est, je l'ai immortalisé. On ne tarde pas. Ouais, bisous, hein, bon courage, cousin. J'espère que t'es pas trop affecté au niveau santé. Oui, bisous, bon week-end de Pâques à toi aussi, bisous à tes femmes, à plus. Alors, je précise, parce que j'en avais choqué certains, quand je dis bisous à tes femmes, ce n'est pas de la polygamie, c'est juste que mon cher cousin a sa douce et deux petiotes. Voilà, n'allez pas surinterpréter mon propos, mais c'est moi qui aime bien dire ça, dire en fait être dans un environnement féminin. J'en étais à me dire que merde, j'ai pas d'arme de secours, moi. Oula, faut que je fasse gaffe. Je suis quasiment à poil. Est-ce que je vais prendre sa masse en attendant, par défaut? Ouais. Merde. J'entends les respirations du gars. Ah non, c'était pas le gars auquel je pensais. Bon bref, faut que j'y retourne. Oui, j'allais dire, il va me faire suer lui. Oui, c'est bizarre. J'en entends, mais je le vois pas. Trop bizarre. Alors, ah oui, c'est lui que j'entendais. Oula. Vache, comment je me suis retrouvé cerné. Mon dieu. Endurance. Oh là 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 là, c'est la caca. Oula. Non, mon arme est déjà pétée. Oh là là là. Là, il y a les deux flics isolés. Ah, vache. Là, j'ai un mal de chien. Tiens. Ah, faudrait que je la fasse, celle-là. Oh. Il a eu un soubresaut, le monsieur. Enfin, si on peut parler d'un monsieur, vu son état, le pauvre. Putain, elle est bien cette arme. Bon, si sienne à carreau, je vais pouvoir. Alors attends. Ah! Non.
À moi le cadeau. Vite, je me retourne parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Ah, j'ai bien fait de me retourner. Vilaine. Je rappelle à cette occasion que ma chaîne est 18+. Ah, une machette de chasseur. Je savais qu'il allait se relever. Il allait se relever. Oh, violence. Ouais, c'est trash, hein, c'est gore. Mais ça défoule, hein. Je vous dis, moi, en tant que joueur, n'hésitez pas à revendiquer votre copie offerte du jeu. Comme la moult fois rappelée Twin Sen. La matraque, ouais, pour me servir d'arme. Elle m'a fait peur. Mais... Oh, j'ai perdu mes réflexes. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Merci. Alors... Donc, je crois que j'avais pas fini de dévaliser la malle. Donc là, j'ai de la thune. Et là, j'ai une machette. Bah, je vais pouvoir me faire une arme avec ça. La camionnette. D'où sorte. Ouais, non, mais l'autre est en train de venir. Je sais que j'aurai pas la paix. J'aurai pas le temps de faire mon projetage. Ah! Mon dieu, comment il est apparu, lui? C'est relevé? Ah oui, c'est lui que j'avais électrocuté, il a... Oh. Oui, les crochets, j'en ai 500, je crois. J'ai fait ça hors antenne. Merde. Il y en a qui se pointent. J'entends des gémissements. Merde, j'y étais presque. Oh. Merde, elle est encore... hein. Bon. Je peux plus remettre les pieds devant le... devant la serrure. C'était quelque part par là. Oui. Non. Qui c'est qui? Une nouvelle fois, je n'ai plus de santé. Alors, lui, je le vois venir. Là, qui me regarde comme d'un air hébété. Va mourir. Allez, go. Alors, j'ai quoi? Oh, oh, une hachette Highlander. Je vais me faire une arme. Une arme. Attendez, une arme de qualité. Alors, finalement, la barre lourde, je l'ai déposée parce que j'en ai rien à péter. Je suis pas doué dans les armes à deux mains. J'ai soit la matraque, soit la... Oh putain, c'est pas mal. Alors, 212 de dégâts. 209. Oh, la matraque, elle est nulle en fait. Bon, bah, je vais l'acheter. Fabriquer. Oh, surprise du con. On va faire un surprise du con. Ils ont osé avec les noms des armes. Attendez, je retire mon... Parce que je faisais mon ego au départ du direct, mais ça finit par m'agacer à la capuche. J'ai vu hier des Indiens qui jouaient à Dying Light. Ils essayaient de tuer un rapace avec un tuyau cassé. Ils étaient prêts à tout. Non, déconne pas. L'essentiel, c'est de trouver son plaisir. Donc, s'ils arrivent à s'improviser des jeux dans le jeu, c'est beau, c'est bien. Ouais, ouais, il est gratuit sur Epic Games. Allez-y, allez-y. Ouais, le Dying Light. J'ai repris mes directs tout doucement du Dragon Sky, car je fais pas beaucoup de vidéos, car j'utilise la 4G. Ah, le forfait, ouais, fais gaffe. Oui, je t'avais fait un petit coucou hier, mais comme hier après-midi, j'ai été pris à mes occupations, donc j'ai pas pu rester. En plus, il y avait FunFan qui s'était lancé dans son marathon Harry l'empoté, là. Il a fini, j'ai vu, à 3h du matin. Il nous rejoint pas avant midi, FunFanonet. Ah, le canaillou. Ah, là 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 là.
Hic. Alors. Quoi? Une impératrice, c'est quoi ça? Allez, on se fait une impératrice. Pour voir. Pour voir, pour voir. Améliorer. Est-ce que j'ai des modules? Je crois pas. Hein. Non, j'ai rien. J'ai pas fait de fouille en fait. La foire fouille. Ouch. Il y a eu les armes qui sont trop choquées. Alors, grappin par défaut. Alors, l'astuce pour vous dire comment je joue. À la molette de souris, si je vais vers le haut, je change d'accessoire. Vous savez, tout ce qui est cocktail, molotov, lampe UV, grappin. Et si je fais le sens contraire, je change d'arme. C'est subtil, mais c'est vachement confortable. Et aïe, 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 il m'a fait peur ce con. Putain, mais il y en a combien? Oh la machette! Décapitation! La 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 la. C'est horrible ma manière de jouer. Je sais qu'il reviendra pas parce que j'ai vu sa tête giquer comme un bouchon de champagne. Regardez-moi ça, c'est atroce, ce carnage épouvantable. Bon bref, allez, j'avance. Faut que j'avance. Oh, mes flèches. Mes flèches. Ah bah ça c'est une autre matraque dont j'ai rien à péter. Wow, 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 je vous vois venir là, vous essayez de me cerner. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Ouh, reprends ton souffle, Craig. Prends ton souffle. Ah, je lui ai coupé le bras là, j'ai merdé mon... Voilà. La tête que je voulais. Oh, Polish. Vous êtes en état d'arrestation. Bon. Ce jeu est horrible. Mais c'est dingue. Comment qu'ils sont programmés à venir te voir à la queue leu-leu. Je vais jamais avancer peinard. C'est pas possible. Merde, lui il résiste. Crotum. Ah, du café. J'ai le bonheur de pouvoir boire du café. Dont les prix ont bien augmenté. On en reparlera un petit peu, hein, pas pour vous mettre le cafard. Mais le coût de l'inflation, je vous en tiendrai un mot rapide demain quand on fera le camion, qu'on sera en mode radio comptoir entre nous. Et le café a flambé au niveau prix. C'est pour ça que j'ai fait une réserve quelques mois plus tôt. Cet hiver, je m'étais acheté en promo 12 paquets de café. Je me suis acheté 3 kilos de café. Et là, j'ai à peine entamé le deuxième sur 12, donc je suis tranquille pour 2 ans. J'ai pas compris le principe du jeu, dit Nayonet. Ou alors j'ai oublié l'explication. Le jeu bac à sable ou cela se rapproche d'un Left 4 Dead scénarisé. Oh, c'est un peu dur ta question, Nayonet. J'irais plus qu'on est proche d'un laissé pour mort, Left 4 Dead. Bonjour la Jet, j'espère que tu vas bien. Plus qu'à ouvrir un kebab. Oh, t'es dégueu. On leur dit « Méchoui beaucoup !» Bon, je remplis pas mon objectif, moi. Il faut que je fouille l'attente de quarantaine. Quelle horreur. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur dans le jeu vidéo, parce que ce serait putride, ça nous prendra la gorge. C'est... Ah, les odeurs de décomposition, c'est dégueu. C'est dégueu. Je suis sûr que... Oh, qu'il y a des... J'ai pas aimé la respiration que j'ai entendue. Je suis sûr qu'il y a des... Une statuette cadeau là-dedans. Une statuette cadeau. Puis c'est une manière subtile dans la narration de dire il y a une suite. L'univers zombifié s'étend. Voilà. Oh. Ah oh, mais j'ai des sacs à fouiller. Non, j'ai pas un excité qui se pointe. Ah, évidemment, avec le bruit, ils ont tous entendu. Merde. Ah, voilà, j'ai mon excité du jour. Il fallait que j'en ai un, c'est obligé, c'est scripté. Surtout dans un espace aussi ouvert. Voilà.
Voilà. Non, merde, je crois que je l'avais décapité, mais même pas. Putain, la vache. Wouh. Ouais, joli. Alors. Attends, je vois que ça bouge dans le chat, va falloir que je vous lise. Il est hors de question que je mette un vent à qui que ce soit. C'est ma peur principale, vous le savez, dans les directs Twitch, c'est d'oublier quelqu'un à la lecture. Oui, mon principe. N'hésitez pas à... Ah, elle va me croquer le pied. Elle me tient à la cheville. La jeune fille. Merde, j'ai plus d'armes. Oh merde, la réparation a compté, dommage. Oh 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 oh. Bon, pas trop près parce qu'il y a quand même un... Bon, alors... Ça y est, l'excité il arrive. Il est où? Ah, il est là. Merde, j'en ai un autre, une autre. Oh oh oh, je l'ai pas loupé, elle. Ah, elle s'est présentée au bon moment. Pour goûter au tranchant de ma lame. Un jour, je rentrerai dans la tente. Un jour, je vais continuer la fouille de la mission. Mais il y a tellement de bagages, je veux tout fouiller, moi. Le moindre truc, moi, je veux le fouiller. J'aurais dû faire douanier. Bah, je suis trompé de métier. Ah, attends, il y a un gros bordel là-dedans. Oh, kit de soins, ça fait plaisir. Putain, c'est trop sympa. Ah, ils ont le bug Windows, l'écran bleu de la mort. Comique. Comique. The blue dead screen. Yeah, baby. Tiens, déguste, vilaine. Cool. Cool. Quoi? Kit de soins. À travers la bâche. J'ai chopé le kit de soins, c'est trop bien. Waouh, mais oui, mais oui. Mais oui, le col est fainé. Oh, y a tout ça à voler. C'est horrible. J'ai terminé en partie mon emménagement de mon appart. C'est bien, Dragon Sky. Ouais, bon courage à toi, c'est pas drôle ça. Dur. Fais ton petit cocon chez toi, douillet, t'as bien raison. Dis-toi que si je gagne la potion de chasseur nocturne, la prison, tu vas la faire, les doigts dans le nez. Ah ouais. Ah! Merci à toi, Edgen, de prendre le temps de m'écrire. Parce que c'est bien, t'arrives à me surmotiver, j'ai envie de dire. Parce que je le suis naturellement par le jeu. J'adore ce jeu. Mais t'arrives à me proposer des challenges. Tu me vends bien le produit, j'ai envie de dire. Oh! Oh, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de lire les documents que j'ai ramassés depuis le début. Et j'en ai récolté pas mal des documents. Je vous ferai peut-être une session spéciale lecture dans Dying Light. Si c'est vraiment écrit, si c'est vraiment des paragraphes, je ferai un de ces jours un direct spécial. Ou alors je le garde juste pour YouTube. Ah, je vais peut-être le garder pour YouTube. Comme les zones de quarantaine. Que je ferai d'ailleurs possiblement deux soirs la semaine qui arrive. Parce que là, je vais me prendre quelques congés la semaine prochaine. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, exceptionnellement, je vais diffuser. Ça me fera du bien. Oh, les boules. Oh, le carnage. Merde, il se réveille. Oh, oh. Oh, oh. Voilà, au revoir Madame Mad. Mais d'où il est sorti lui? Il était pas dans la tente. Si. Ah bah. Ah tiens. Je peux le fouiller sans que sa bonbonne explose. Merde, il y en a un deuxième. Oula. Attention. Ah non, il va se relever. Allez, vite, je me barre, ça va faire boum.
Et l'autre aussi. Boum. Voilà. Terminé. Oh, de la gaz. De la gaz. Car chez moi, la 5. Oui, la bande passante par onde. Oh merde. L'autre, il l'a poussé. Boum. Non, ah oui. Oh, merde. Il y en avait un deuxième derrière. Oh la vache. Le deuxième effet qui se coule. J'en arrive même plus à avoir le temps de vous lire avec cette action de fou furieux. Oh putain, il y a une caisse. Faut que je me fasse la caisse. Difficile. Je peux le faire. Ah, j'arrive à la fin de la zone de fouille. Attends, je me retourne parce que... Et puis il y a l'ambulance à côté de moi à ouvrir. J'arrive pas à vous lire, vous écrivez trop vite. Enfin, trop vite. Trop pour moi. Attends, je coupe la lampe, je monte sur la... Merde, il va faire nuit. Merde. Attendez, je fais pause parce que je vais être dans la merde, là. Ça, vous allez rire, mais je vais être dans la merde. Quand va y avoir les rapaces, je vous les avoir là. Alors, attends. Tu peux en vertuer un plan de potion quand même, machin. Principe, je remonte un peu dans le... Parce que j'ai peur de vous avoir mis un vent. Dis-toi que tu gagnes la potion de chasseur nocturne, blablabla. J'ai terminé en partie mon emménagement de mon appart. Nanana. Ah oui, alors attends. D'ailleurs, faut que je recommence Dying Light 2. Mais j'ai peur que ça supprime toutes les données de ma play. Oh, je pourrais pas te guider, Adjen, pour sauvegarder tes données de la PlayStation. Le pire, c'est que je suis un pro... Enfin, un pro PlayStation, si je puis dire. Et... à part faire un clonage du disque de manière très particulière, je vois pas comment tu pourrais. Mm. Automatiquement, si ça marche pas, tu fais en manuel. Oui, d'accord. Dommage, le jeu est pas cross-platform. Ah merde. Non, on parle pas de. Bah, passant de 5 CF plus. Ah, pardon, d'accord. Oui, je suis dans la confusion. Merci, Dragon Sky. D'accord. Dès là, un pote, bah, je vais attendre le direct. Il a déjà fait attendre. Ah oui, merde. C'est pas de bol. J'ai pas de bol. Et il y a des fourgons de la police à ouvrir. Ah oui. Ça veut dire récompense. Mais du coup, il y a une limite du... Je suis happé par... Oh. Quoi? I love la. Los Angeles, c'est ça. Ah. C'est le bout du bout du bout. Et là, t'as pas le droit d'y aller. C'est la fin du jeu. Ah ouais, en mer, ils ont bouclé avec des filets. D'accord. Ah, intéressant. Donc en face, je présume qu'on peut pas y aller du tout. Encore que... Enfin, de toute façon, je vais rester dans ma zone. J'ai plein de trucs à faire encore dans ma zone. Dont les zones de quarantaine. Je me répète. Oh, le bus du vide. Le bus presque normal. T'as le dernier bus qui a pas pu rejoindre l'autre partie de la ville. Dommage. Dommage. Je vais me taper les rapaces. Ça va mal se terminer. J'en connais 2-3 qui auront vite fait de me déchirer. Non, j'entends un... Merde. Mais c'est pas possible, il vient pas de là, si. Ah. 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 Va-t'en. Merde. Ah. Burp. Voilà. Je faisais quoi, moi? Ah oui, je faisais un crochetage. Merde, mon endurance. Ah.
Magnifique. Oh, joli. Belle esquive. Ah, merde. Dur. Oh, j'ai gagné un petit soin. Oui, ça bip. Oui, les rapaces vont être de sortie. Oui, je vais me faire défoncer. Je sais. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Inventaire plein. Bah oui, grâce à la prison. J'ai plus besoin de munitions grâce à la prison. Tu m'étonnes. Oh là 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 là. Je vais me faire défoncer, Tid. Ah bah lève-la le sonar. Tolga, ici Crane. J'ai votre sonar. Un sonar? On n'en a pas besoin. Qui t'a dit qu'on voulait un sonar? Laisse-moi parler, Fatine. Faites-moi signe quand vous en aurez besoin. Bye. Oh, qu'ils sont cons. Les jumeaux, ils sont cons. Aïe, 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 aïe. J'aime bien le bruit. Je sais pas si vous le percevez, vous, dans le direct que je vous renvoie. Mais il y a un bruit nocturne de cigales. On se croirait presque en Provence, en fait, chez FunFan. C'est agréable. Le cri-cri. J'aime beaucoup. Alors que je devrais avoir les chocottes parce que c'est la nuit. Ça me relaxe, ça me détend. Ça me rappelle même mon adolescence, quand j'avais la chance de passer quelques vacances, quelques jours de vacances dans les Vosges. J'adore les Vosges. C'est con, je suis en train de repenser en parlant des Vosges, je repense à la bière que j'ai dégustée. Ils font une mousse à la sève de sapin qui brasse avec des branches de sapin. Et ben elle est vachement bonne, d'autant plus que c'est une blonde et en général les bières blondes je les aime pas spécialement. Mais ah, j'en reboirais bien une, hein, volontiers. Ça avait un goût inimitable. Ça m'avait procuré un plaisir gustatif, quelque chose de bien. Très bon souvenir. Quoi? Non, l'avion a largué sur le pont? Déconne pas. Elle est bonne celle-là. Les gars de Crane sont pas prêts de venir. Les gars de Rice, pardon. Les gars de Crane. Comme si le héros que j'incarnais avait des mecs à sa... à sa botte. Oh, j'ai cadeau. Un canal des cadeaux. Oh. Oh merde, il y a un rapace devant moi. Merde, merde, merde et merde. Ah, il y en a un qui était... Oh merde, j'en ai un derrière moi. Non, je vais me faire en papa outé. Oh merde, il est devant moi ce con. Chier. On va pas se donner deux. Merdoum. Oulala. Putain, l'autre, il est là, le rapace. C'est le rapace, hein. Là, on voit l'arrêt des fesses du rapace. Il ne m'a pas vu. La 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 la. Oh oh. Alors l'autre, il risque fortement de me voir, parce que je crois qu'il est sûr. Merde. Merde. Là, je suis dans la merde. Je crois que je vais me sauter à la mer. Le rapace ne m'a toujours pas vu. Non, là, il est en train de me voir et je suis mort. Allez, je saute à l'eau. Ah. Poursuite évitée, tu m'étonnes. Ah, je crois qu'elle est bien fraîche de nuit.
Bonne diffusion à tous, amusez-vous bien. À plus Nayonet, à plus. Bisous bisous, bon samedi à toi déjà. On va peut-être pas dire qu'on est déjà des dimanches. Edgendi, le 2 avril, je me suis bloqué dans l'ascenseur. Déconne pas. J'ai cru passer 5 minutes, mais c'était une demi-heure. Le pire, le technicien était même pas dispo. Ah, c'est les pompiers qui t'ont délivré de la cage d'ascenseur. Oh la vache. Oui, ils aiment pas la lumière UV, ouais. Puis j'ai la lampe UV sur moi dans le sky. Au pire, je peux me défendre. Mais non, là, avec les zombies, c'est un scénario de mort, quoi. Putain, il y a même des graffitis. Ah non, c'est un cadavre, pardon. Je crois que c'est un graffiti, le cadavre. Oh mon dieu. Je marche sur le cadavre ou c'est moi? Oh, quelle horreur, je piétine le mec. Ça me fait bizarre d'avoir pied ici. Ah, je suis revenu dans la zone sécurisée, c'est cool. Ouh, les pêcheurs, c'est moi. Blablabla. Oh, c'est profond. C'est bien fait, hein. Attendez, je continue de vous lire dans le chat. Ouais, la zone sécurisée, que je sais même pas rester sur le quai. Merci, voilà. Hic. Attendez, je vais me poser dans une casse-bas, là, et puis je vais... Je vais marquer un petit temps de pause. Bah voilà, elle est bien là. Hop, on va fermer la porte. Voilà! On est peinard, c'est la réserve du... Oh merde, il dort. Oh, j'ai réveillé les mecs. Mais, hé, tu t'es pris la porte dans la gueule, toi? Mais, je te reconnais. T'es, Bon, merde, je vais sortir d'ici. Il me plaît pas, le gars. Je le sens pas. Je veux pas le voir. Ce garçon n'est pas fréquentable. Tiens, je vais passer par la fenêtre. Oh, j'ai cru. Ouh. Allez, je prends les sanitaires et les... c'est, ça doit schlinguer. Ah non, c'est propre. J'ose. Inspection des sanitaires. C'est propre. Waouh. Incroyable. Je devrais pouvoir m'asseoir, là. Bon, bref. Je vous lis. Oui, hydrater le sage, t'as raison, Edgen. Je bois un coup. Non, mais c'est dingue ton histoire, Edgen, l'idée d'être coincé dans la cage d'ascenseur. Je suis pas claustrophobe, mais ça me ferait suer que ça puisse m'arriver, ça. Ah, le hockey. Mais non, mais non. Non, je veux pas avoir le hockey, moi. Dying Light pour... c'était en 2014 qui était sorti, déjà. Oh, la vache, ça va faire 10 ans. Non, sérieux? Mais il est génial, ce jeu. Je suis ravi de pouvoir le faire aujourd'hui. Je voulais pas le faire avant, parce que mon ordi était pas assez puissant. One Day Fishing Trip. Oh, un voyage de pêcheur. Pêcheur. Je crois que j'ai des points de compétence. J'ai eu un cadeau tout à l'heure. L'agilité. Tu parles avec toutes les gamelles que je me suis mangées. Alors, j'ai quoi? J'ai tacle, frapper vos ennemis du coude pendant le free run. La touche E. Oh là là là. Retour de manivelle. Utilisez des armes de jet ou la torche UV tout en regardant derrière vous. Blablabla. Castibia. Porter un coup de pied pendant une glissade a pour effet de briser les jambes de l'ennemi. Ça peut être drôle, ça. Allez, je fais... Ah, c'est quoi, ça, au bout? J'avais pas vu le point. Renversement. L'utilisation de renversement étourdit le mordeur pendant 3 secondes. Ah, c'est pas mal, ça. Finalement, j'ai opté pour ça. Au final, je pense que je les déverrouillerai tous. Hein. Je crois que je suis à 22% de la quête principale. Vu le nombre d'heures que j'ai joué, je traîne, mais alors, comme une feignasse. Alors, partez à la chasse à l'esquiveur. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, moi. Et j'ai pas véritablement de mission secondaire, donc je vais être obligé de faire ça. J'étais seul, en plus, les gens, ils passaient devant moi tranquille. Ouais, non, mais bon, bref. On vit dans un monde. Aïe, 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 aïe. Non, la caisse n'était pas sur le pont. Non, non, le ravitaillement était bien en ville.
Alors, comme c'est un nouveau jour qui se lève, le vendeur, il a du nouveau matos. Fermons les portes, évitons les courants d'air. Tu parles, c'est ouvert aux quatre vents. La 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 la. Lui, il a l'air de faire la gueule. Ouh, monsieur le vendeur, vous êtes réveillé à la fraîche? Ah oui, il fait déjà l'inventaire. Monsieur fait son inventaire. Ah, des flèches explosives. Merci. Merci, merci. Un jour, je trouverai la recette des flèches explosives. Et là, plus rien ne pourra m'arrêter. Non mais sérieux, en plus, je le crois. Oh, 2000 dollars de matos à vendre. C'est bon, ça? La radio. Alors, organisation. Qu'est-ce que je fais en fait? C'est con parce que la nuit vient de se finir, donc j'aurai pas d'esquiveur. Attends, faut que je dézoome là. Je suis beaucoup trop zoomé. Ah oui, largage en plein centre-ville, quoi. Le pilote, il a pas fait son boulot n'importe comment. J'ai vraiment pas... Bon, je sais que j'ai des quêtes rejouables, mais... entrer à l'intérieur, je sais même plus c'est pourquoi, ça. Ouais, tableau de prime, machin... Je suis même pas sûr d'avoir déverrouillé toutes les zones, les maisons vertes, là. Je suis pas certain d'avoir bien exploité les bords de la carte, hein. Là, le côté là-bas, j'ai des suspicions. Je trouve ça bizarre. De pouvoir m'y promener... On va aller voir. Je suis curieux. Ah, le Dead Island. Oui, d'accord. Oui, au niveau des dates. En vrai, t'es bloqué dans le jeu. Débloqué à demi. Non, de débloquer. Oui. Allez, allez, allez. Oh là, il y en a du monde au petit matin. Allez hop. Merde, mon arme inefficace. Chier. Ah, j'ai cru qu'elle allait se planter, mais non. Allez, c'est ça. Venez vous planter, bande d'idiots. Allez. Oh non! Triche! Ah oui, il y a eu triche là. Il y a eu triche. Ils ont pas l'air cons. Je sais pas si j'en fais grand chose de la rame. C'est pas une super arme. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est pas une super arme, une rame. Je passe par là, oui, je vais passer par là. Vu le chemin que j'ai fait. Alors, mets-moi dit. Edgen. Ouch. Oh putain, eux ils sont chiants. La tête! C'est dégueu. Hop là, 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 là. Oui, alors, Edgen, tu dis, moi j'ai des anecdotes avec des vieilles personnes. Exemple, je suis dans le tram et une vieille dame s'assoit à côté de moi. Je sors ma calculette, elle me dit, stop SVB, j'ai des problèmes de JSP. Quoi, sortez pas votre téléphone à l'époque? J'en avais pas encore, donc je lui ai dit que c'en est pas un. Je le ressors, elle recommence à m'insulter, à me crier dessus. Les gens expliquent que c'est une calculatrice. Elle me dit c'est la même chose. Ouais, elle avait le venin, oui. Elle avait le seum. Oui, non, mais il y a des gens bizarres.
Non, par contre, tu me rappelles une fois. Alors, ça s'est bien fini. Mais, alors, c'est pas drôle pour la victime, mais très drôle pour le spectateur que j'étais. En parlant de bus et de transport en commun, c'était il y a longtemps de ça, il y a 10 ans de ça. Il y a une pauvre grand-mère qui était dans la rangée centrale du bus et qui cherchait sa place quoi, pour pouvoir se poser. Et manque de bol, il y avait de l'agitation au niveau de la route. Le pauvre chauffeur de bus qui avait dû piler pour éviter un accrochage. La pauvre grand-mère qui n'a pas eu le réflexe de s'accrocher. Elle a fini les quatre fers en l'air dans l'allée centrale du bus. C'était mort de rire. Heureusement, elle s'est pas fait mal. Mais de voir la pauvre grand-mère qui était en état de choc. Ah aïe, aïe, aïe. M'en souviendrai toujours. J'en rigole aujourd'hui, mais... sur le moment, j'ai vraiment eu peur pour elle. Je dis, oh la vache. C'est un coup à... À se faire mal, hein, mais vraiment mal. Et non, elle allait bien. Il y a le chauffeur après qui lui a présenté ses excuses, qui lui a expliqué la situation. Je me souviens même, consciencieusement, le chauffeur avait dit « Vous voulez pas que j'appelle les pompiers ? Vous êtes certaine que vous avez pas besoin de faire un examen, machin ?» Parce que c'est vrai qu'elle a été sacrément secouée, quoi. C'est comme si on lui avait fait une prise de judo. Mais ça s'était bien terminé, plus peur que de mal. Mais la pauvre, je la vois, les quatre fers en l'air au beau milieu du bus. Mais c'est le genre de dânerie, on reste traumatisé à vie, quoi. Ça marque ce genre d'événement. Oh mon dieu, le bus de la muerte. Oh, c'est le bus de fou. Ah ouais, avec les pics, t'as pas le droit d'aller dedans, nous, non. Putain, la vache. Ah ouais. C'est le pic, t'as pas le droit d'escalader. Merde. J'aurais dû regarder s'il y avait un zombard dans le bus avant de me lancer dedans. Oh là, oh là, oh là. Ah, j'ai un super excité. Super excité. Ah bah il est mort. Il est mort. J'ai pas fini de fouiller le bus. Quoi? Oh la vache. Bah attends, elle est venue par le... Ah, elle est peut-être venue par le dessus, la peau de vache. Elle m'a eu comme un bleu. Alors là, pour m'avoir surpris, elle a réussi son coup. D'ailleurs, attention, j'ai plus de santé. Faut que je fasse gaffe. Ouais, non, après, il y a... Ouais, elle est passée par le dessus, à mon avis. Il y a encore des bagages à fouiller. Ah, ils viennent s'empaler comme des gants dessus. Oh, les cons. Allez, où il y a un chemin. Je sais pas s'il sent bon la noisette, le chemin là, mais... J'en ai une dernière, je sais pas si c'est ma faute. Dis-moi ton avis. Ah, je vais te lire avec plaisir. Ah, il y a les gars de Rice qui emmerdent un gars. Ouais. Bon, j'avoue, je les gère mal. Hop, décapitation. Attends, il est où? Tu m'as fait mal là. Bah j'espère bien que je t'ai fait bobo gros vilain. Attends, je reprends mon... Je t'attends. Allez. Je t'attends. Tu m'as entendu? Oh la vache. Ah, ça rapporte hein, plus 3000 hein les gars de Rice. Oh, une faucille, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, son arme. Ouais. Les faucilles ottomanes, apparemment, ils carburent à ça, les gars. Alors, crochetage difficile. C'est cadeau, c'est offert par la maison. Merde. Ah, c'est à l'extrême... d'accord. Extrême gauche. Burp. Burp, burp, burp. Ouverture de la malle au cadeau. Un sabre et une bourse. Oh, ma bourse étudiante. Je fais un master en zombie. Master en zombification. Alors, tu sortais du collège. Et en fait, j'ai tendance à traverser sans
Le passage piéton. Un jouet, une moto. Ah, merde. Ah ouais, une moto te percute un peu parce qu'elle freine. Bon, moi je me relève direct. Je vais rentrer chez moi. Il lui me demande ma carte d'identité et tout. Mon père vient. Il parle à mon père. Il dit que c'est sa faute parce qu'il a écrit attention collège et il relaie à côté des voitures. Bon, après, je suis rentré chez moi et voilà. Bah, là, tu vois, dans ce que tu me décris de la scène, j'ai envie de dire que la faute est partagée. Toi, t'as eu la bêtise de pas marcher dans les clous, de traverser sur le passage prévu marqué au sol. Et lui, effectivement, a peut-être pris des libertés qu'il aurait pas dû. Parce que voilà, c'était balisé comme étant un secteur sorti d'école avec des gamins, quoi. Mais oh putain, tu me rappelles une anecdote terrible de cette rentrée, enfin la grande rentrée scolaire là, la dernière, la précédente en septembre. Et je crois que d'ailleurs que le drame s'est passé en Bretagne, enfin peu importe, c'est passé en France. Il y a une grande sœur qui a vu donc sa petite sœur finir sous les roues du car scolaire. Elle s'est mise là où il fallait pas, le chauffeur l'a pas vue, elle s'est fait rouler dessus, elle est morte. Les boules, je vous l'avais raconté parce que ça m'avait ému. Quand j'avais lu la triste anecdote dans le journal, c'est vraiment, je sais qu'on choisit pas sa mort en général, dans 90% des cas, même plus, mais mourir aussi bêtement et si jeune, ça me fout le bourdon. Bref, pardon, on n'est pas là pour ça. Oh, la texture de la malle rouillée, elle est trop bien faite. De l'alcool et du café, c'était la malle du vice, de tous les vices. Eh oh, madame zombie, tu vas mourir. Voilà. Hic. J'avais un camarade de collège qui était un sacré loustique et c'était un bon comédien. Il faisait croire qu'on lui roulait sur les pieds quand il sortait du collège, il sortait par le parking du collège. Et de temps en temps, sa vanne, c'était d'imiter le gars qui s'était fait rouler dessus. Donc il y avait des mères de famille au volant qui étaient en stress. Et qui s'arrêtait, qui lui demandait, mais oh, je suis désolé, je t'ai roulé dessus, j'ai pas fait exprès. En fait, c'est faux, il mimait le fait. Il se mordait la gueule, le salopard. C'est un sacré. Il s'est prénommé Wesley. Je sais pas si tu me regardes au hasard de la vie, Wesley. T'étais un sacré loustique, quand même. Ah là 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 là. Oh les âneries, j'ai failli dire un gros mot. Oh, il arrive à gerber à travers sa combinaison. Ah, c'est dégueu. Oh, quand je vois ça, j'ai envie de partir à la cueillette. Quel chic dans les prés, Frélis. Quel chic dans... Et quand je vois cette scène, je me dis qu'il faudra que je vous refasse en direct Far Cry 2. J'adore ce jeu. L'ambiance africaine de Far Cry 2. Oh là là, que de bons souvenirs. Avec le personnage du chacal. Alors, moi il faut que je me barre par là-bas. Je sens qu'il faille prendre le chemin qui est là. Qui se présente à moi. Attendez. Hop là, joli. Si je dis pas d'ânerie. Visiblement, c'est le chemin là qu'il faut que j'emprunte. Là, c'est tellement calme que ça fait promenade simulator. Ah non, c'était pas le chemin là qu'il fallait que j'emprunte. Merde. Ah, c'était le tunnel en fait. Bon bah tant pis, je vais redescendre. Hop là. Oula, oula, j'entre dans une zone à... Oh là là, va y avoir des rapaces là-dedans. Je suis même surpris qu'il m'ait pas dit vous entrez dans une zone sombre.
Ah oui, c'est là où il y a tous les excités. Oh là 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 là. Non, c'est pas la bonne zone. C'est pas la bonne zone. Bah merde, c'est où je voulais aller? Attends, ah bah ouais, ça y est, j'en ai 50 contre moi. Merde, mon arme est inefficace. Évidemment. Évidemment qu'elle est efficace au moment où j'en ai le plus besoin. Mais merde, il ne l'a pas réparé cet idiot. Mais merde, je vais me faire avoir comme un CON. Oh. C'est ça. Allez, dans... putain, ils courent dans la flotte, ils sont trop forts. Oula. Oh merde. Alors, le fait de me battre dans la flotte, ça m'aide, parce que quand ils ont la tête immergée, ils meurent noyés. Enfin, je crois, hein, j'ai l'impression que c'est instantané. Donc du coup, ça me permet de maîtriser tout le lot d'excité que j'ai... Je suis allé débusquer dans le tunnel. Mais... Oh là là, le fait de lire la carte, j'y arrive plus, là. Je comprends plus. C'est quoi que j'ai pointé? Oh là, j'en suis encore loin. C'est pas du tout la bonne zone. Il faut que je suive la route qui est sur ma... Attends, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? C'est la route là, c'est ça? Ah oui, c'est la route là. En fait, je vais suivre la route... Bon, ça a le mérite d'être clair là, pour le coup, je vais pas me plaindre. J'arrive à voir ce que je fais. Bon, il y a un zombie de feu. Oh, Epsilon Apps. Bonjour, merci et bienvenue. Je joue, oui, je regarde en même temps. Oui, bah t'as bien raison, Edgen. Bon jeu à toi. Oui, je suis de Nancy. Né, vivant à Nancy. Oui, complètement. Je suis 100% nancy, hein, si tu veux. Epsilon, bonjour, bonjour. Eh oui, comment que ça va? En ce samedi matin. Alors qu'il n'y a rien dans le fond. Oh, le beau largage. Alors que j'inspectais le fourgon non verrouillé, ça m'étonne pas qu'il y ait... Attends, il est tout proche, le largage. Largage tout proche. Récompense pour moi. Et tu cours après l'amour. Jour et nuit, sans arrêt, tu cours. Et tu cours après l'amour. C'est pour moi, il n'y a pas les gars de Rice. J'étais la première. Rams. La, 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 la. Ouais, ça va bien, c'est cool. Bon, dans l'ensemble, on va bien, merci. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une livraison pour moi du premier coup. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Alors, la carte... C'est quelque part par là-bas que j'ai pas... je sais pas si aller dans le tunnel est une bonne idée. Il va me dire qu'il y a des rapaces. Oh ah ouais, c'est les ténèbres. Waouh, je peux pas passer par au-dessus avec mon grappin? Je pense que si. Hein. Je pense que si. Attends, il faut que je prenne la bonne option. Non, le grappin, il est pas chaud. Merde. Attends, là, je suis sur le bord de tunnel. Ah non, le jeu, il est pas chaud du tout. Oh, merde. T'es sûr? Quoi? Mais il s'est propulsé en arrière, ce con. Il s'est fait mal. Mais quelle idée de faire un tel saut. Il est fou. Crane est devenu fou. Il oublie, il perd de son humanité. Oh, l'arbre. Oui, c'était une bonne idée. Merde. Attends que le grappin se recharge. Ah, je savais pas. Je peux faire mon Tarzan. Alors attends, le tronc, il m'a bien servi. Vas-y voir. Merde, je peux plus. Oh, bah, chiotte. Mais sans déconner. Ah.
Mais oui, mais c'est quasiment ça. Oh! Puis je tombe comme un caca, je suis déçu. Putain, je suis sûr qu'il y a moyen de passer par au-dessus. Bah tiens. Il s'est agrippé à l'arbre sans le vouloir, là. Hop là, il n'y a rien, là. Oh! Bah! Bah! Oh, le bug! Zone de sécurité atteinte. Oui, bah oui. Attends, on n'y voit rien. Ah bah la vache. Bon bah tant que je suis là, je vais profiter du bagage pour changer mes affaires. C'est l'occasion rêvée, hein. Je vais pas m'en priver. Alors ouais, nanana. Machette, j'aime bien. Ah, le sabre peut faire mal aussi. Mm-hmm. Allez, je vais garder ça. Je vais lâcher un bouclier. Le reste, je m'en fous un peu. Ouais. Oh la vache, j'ai 523 crochets. Ouais, je sais pas. Je tente, voilà, on va dire, de lorgner les bords du... de trouver les limites du jeu. Mais... Non mais là il m'a téléporté de là-bas à ici. Bon. Bref. Soupir. Oh, attention la cascade. Pourquoi il met le pistolet mitrailleur? Il est fou lui. Pas besoin du pistolet mitrailleur. Hop là. Hop là la poutrelle. Alors à partir de là. Ah merde. J'ai pas de... La bagnole blanche. Hop là, voilà, bien. Alors, bon, il n'y a rien dedans, je présume. C'était sûr. Le contraire m'aurait agréablement surpris. Wallo Nini. Ah, non. Voilà. Hop là. Pop, 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 pop. Non, mais je pense que je suis condamné à passer dans le truc. Si j'y arrive. Tayo, Tayo. Il n'y a pas un rapace dans le lot. Putain, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de rapace. Ça pourrait être un nid de rapace. Oh là là, oh le peuple. Ouais, ça aurait de l'intérêt de prendre ses jambes à son cou parce que... Il y a de ces trucs, c'est l'horreur. Vive le grappin. Ouh. Alors, il y a un truc par là-bas, j'aurais pas exploré. Mais c'est que de la... Attends. Le bus était trop loin. Mais il y a que de la côte là. Je peux pas... Ah non. Non, non, non. Il me propose de faire du... Wow. Oh, 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 oh. Ah quoi, quoi, quoi? Ah, je quitte la zone jouable. Bah, c'est bizarre de la manière dont c'est modélisé. Non, en fait, j'ai bien lorgné le bord de la carte. Non, non, c'est pas... C'est bizarre parce que dans le dessin, on a l'impression qu'il y a une suite. Mais non. C'est trompeur, hein. C'est trompeur. Alors... Bah du coup, je vais revenir au... La tortue en peluche. Quoi? Protéger. Alors, attendez. Il y a un truc que je comprends pas dans le... Oui, attends. Je reviens dans la zone jouable, là. Quoi? Ah, le protéger, j'ai pas compris, là. Oh! Ah oui, c'est ça a dû être la seule zone de quarantaine que j'ai faite avec difficulté. Wow. Oh,
Piolet de grimpeur. Eh ben, c'est des bonnes armes, les piolets. C'est cool. C'est cool, Waoul. Oula. Ouais, le hall d'immeuble, il était chaud. Hein. Donc, l'épisode auquel je fais référence, là, le coup du hall d'immeuble, la zone de quarantaine, c'est pas quelque chose que j'ai joué en direct. Je vous ai carrément posté la vidéo sur ma chaîne YouTube. Point d'exclamation YouTube dans le chat si vous voulez le lien. Donc c'est de la vidéo à la demande. Hein. J'archive tous mes directs. Et sinon vous tapez LSDN dans YouTube et vous me retrouvez facilement. LSDN pour le sage de Nancy, vous l'aurez compris. Non, je peux pas. J'ai envie de tout harponner maintenant. J'y prends goût à ce joujou. Non, mais là je vais les esquiver, ça va. Excusez-moi du peu, mais non, va pas. Merde, je suis poursuivi par un. Voilà, je télécuise. C'est une fourgonnette des excités de Rice. Oh merde! Putain, mais c'est dingue. Merde. Eh hey, oh, je suis là. Oh, bah d'accord. T'es qui? Nick Pesto. Je suis américain. Nick Pesto, c'est toi qui fais la sauce du même nom? En plus, t'as la couleur. Eh! Tu sais, les gars qui braillent. USA! USA! Les gars du coin détestent. Moi, j'adore. On les emmerde, non? Tous ces étrangers. Je peux pas les saquer. On dirait qu'eux aussi, ils en ont marre de toi. Ouais, quand toute cette merde a commencé, je me suis dit, wow, ça pue vraiment. Alors, ce que j'ai vu de Rice m'a vu, je me suis mis à traîner avec sa bande, et tout est parti en couille. Ils t'ont jeté à la rue avec les mains attachées. C'est sa version. Voilà, je me suis dit que j'allais essayer la tour. Toujours est-il que voici le marché. Tu me fais entrer dans la tour d'ivoire, et je te branche sur un plan que personne connaît dans ce trou de bouffeur de Shawarma. Ah, ça m'intéresse, okay, son offre. Je vais te filer un coup de main. Nick Pesto est de retour, excellent. Oh, une quête cachée. Avant d'aller à la tour, il faut que je récupère 2-3 trucs. Non, on n'a pas le temps. Dans ce cas, discute pas et suis-moi. Oh, le défi. Toi, tu... Hein, voilà. Intéressant comme... Ok, je le suis strictement, le gars, il n'y a pas de... Oh, c'est ça le truc protégé. C'est ce mec-là. Oula, il vaut mieux éviter de marcher dans le pétrole. Fais pas le rabat-joie, viens t'amuser avec moi. Joli. Attention. Oh, il se fait poète en plus, le garçon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Attention, ici dangereux. Réception. Oh. Il semble en avoir eu assez. On y ouais. va maintenant. Ouais, tu parles contrairement à lui, évidemment, j'aurais pas mon loot, mais c'est pas grave. J'aurais pas le matos. Pa 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 la pa pa pam. Hop. Tac 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 tac. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il y en a excité derrière nous. Tac 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 tac. Il est chiant. Voilà, je l'ai eu. Merde, il est passé où ce coin? Oula, tu prends des risques, mon garçon. Ah non, c'est les gars de Rice. Merde, je me suis trompé. Ah non, c'est les gars de Rice. C'est horrible ce que je viens de faire. Ah, t'es là. Le mec, il arrive en retard. T'as dû t'apercevoir que je suis super doué. Et c'est parce que j'ai appris. J'ai appris. Mais le Samsung m'a obligé à arrêter parce que j'étais dans.
dangereux pour ceux qui m'entourent. Tu ah vois bon à quel point je suis mortel. Je peux tuer n'importe qui. À tel point que je me fais peur des fois. L'anneau de pouvoir. Un anneau pour les gouverner tous. Super. Ça, c'est fait. Maintenant, on s'occupe de mon passeport. Bon, ça y est, t'as ton précieux. Juste à entrer dans la rame. Pas à sortir aussi. Comment j'aurais pu savoir? Ah, ça m'emmerdait parce que je l'avais dans ma poche, arrête. Ça gênait mes mouvements, alors je l'ai déposé dans une boulangerie. Je crois me souvenir où il est. Nick, tu commences vraiment à me les briser. Ah ouais, c'est ce que ta sœur me disait souvent. Oh. Ça parle mal. Oh merde. Attends, ils ont du matos. Oh, coupe-près à légumes. Oh. Bon, allez, merde, c'est du matos. Au pire, je jette. J'aurai le temps de faire du... Attends, il y a du matos. Le Gadrice, je l'ai bien fouillé. Non, je l'ai pas fouillé, le Gadrice. Oh. Mais comment je les ai eus de toute beauté? Ah, ah, une faucille. Allez, hop. Je les aime bien, les faucilles. Bon, il est où, le mec? Oh, il s'est déjà barré. Où est-ce qu'il est passé, le loustic? Ça y est, il est là-bas. Voilà, il y a du monde. Et tu ne begins avec toi, tu ne begins avec toi. Mais... Oh merde, mon arme elle est plus efficace. Mais t'es où? Ah t'es là. Bonjour, comment ça va? Ah, tu bosses à côté, bah bon courage à toi. Ouais, ouais, ça va bien, merci. Tu vois, je suis en pleine mission d'escorte. Oh là là, le mec il prend des détours. Si tu défies le maître, oublie pas. Oh, la mandale qu'elle lui a mise. Ah, ça l'a fait taire d'entrée de jeu, direct. Bon, trop drôle. Ouais, moi aussi, je cours dans le linge. Bah, bon courage à toi, monsieur Jambon. Merci, Gimbal, de passer. Ça fait plaisir de le sentir sur mes fesses. C'est bon? Oh. Ouais, nickel. En route pour la tour. Oh, le sang, c'est horrible. Alors, Ed Jen, tu dis, bon, moi, j'y vais, bonne journée, bonne soirée, je passerai sur Discord plus tard, au revoir tous. A plus, bonne journée, merci d'être passé, Ed Jen. Merci pour tout, et puis tes anecdotes qui étaient sympas. Merci tout plein. A plus. Waouh, mais comment qu'il se met à détaler l'autre? Allez, quand? Oh. Allez. Non, loupé. Mais ils sont chiants. Hein. Voilà, allez hop. Toi, je vais te défoncer la tronche. Déjà fait. À la tour. Il doit aller vite. Hein? Non, mais non, mais non, mais non, on prend une flèche et c'est bon. Le Père Noël te surveille et il est pas content. Il y en a beaucoup trop. Viens me filer un coup de main. Oui, bah c'est dans le visage qu'il faut viser. Si j'arrive pas à voir le visage, on va pas le... Viens t'amuser avec moi. Viens t'amuser avec moi. Surtout si après je peux récupérer sur sa dépouille mes flèches, ça me va très bien. J'ai du mal à me le faire en face à face lui. Ah merci. Attends, pause, 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 je récupère mes flèches. Je récupère mes flèches. Le porc épique là. Ça c'est du boursiclage, pas de gâchis. Oh. C'est bon. C'est bon. Oh, j'ai le piolet. Faudrait que je le personnalise, le piolet. Attends, je l'ai pas personnalisé, le piolet? Oh, il faut que je me fabrique un truc avec le piolet. Alors, saignement, électricité, électricité toxique, toxique brûlure, toxique saignement. Ah, j'ai deux toxiques. Ah non, 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 c'est différent. Toxique et saignement. Ah ben, on va faire gueule de bois avec le piolet. Ouais, ça défouraille, hein. C'est... Ouh. Alors, de rien, je mets toujours une petite vue, même si je te cause pas. Oui, 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 c'est vrai que je regarde pas souvent ceux... Le pire, c'est que j'ai ma colonne qui m'affiche ceux qui sont en sous-marin, qui discretos... Mais merci, c'est très gentil à vous. Merci tout plein.
Et moi, je me réjouis à l'idée de pouvoir vous changer les idées avec toutes les âneries que je débite à la minute. Mais merci à vous d'être là. Allez, où est-ce qu'il est passé le loustic? Ça y est, tu sais grimper? Zappo. J'ai gagné le plan Zappo. Bon, allez, je vais aller voir l'intendant. Et après, il va falloir que de nuit, j'aille prélever du tissu sur les zombies champignons, là. Merci, excellent. Ça va nous être bien utile. Oh la vache, l'expérience que je viens de me faire. 13 000 points, pan, direct. Ah, oh, la faucille, elle est presque trop simple. J'en arrive à... bouclier, j'en ai marre de prendre les boucliers. Bon, tant pis, c'est pas perdu. Finalement, je cède. Alors, le marchand du rez-de-chaussée, il est où? Il est où, le marchand? Reste pas dans l'obscurité, toi, j'ai failli te renverser. Viens, toi, je vais te faire un bon prix. Ouais, toi, ta voix colle pas à ta tronche. Oh là là. On dirait presque... Enfin non, j'allais dire Julien Courbet, mais avec la voix de... De Stallone ou de Schwarzy. Ça colle pas au personnage. Enfin, je trouve pas. Ah, flèche explosive. Avec grand plaisir. Mon joujou favori. Oh, 800 dollars. Voilà. C'est bien, je vends le matos. On va aller voir le vendeur à l'étage. Attends, merde, l'ascenseur est là-bas. Je crois que j'ai pas de... Point d'exclamation, ça veut dire que j'ai pas de quête à prendre. Je profite du temps de chargement dans les étages pour me rasseoir différemment. Parce que j'en ai marre d'avoir les jambes tendues. L'intendant m'a montré où trouver ses esquiveurs. Il me tarde de parcourir la ville de nuit. La 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 la. Non, c'est plutôt j'ai tardé à parcourir la ville de nuit. Nuance. Tu peux améliorer la base Ah, tu me poses une colle, Epsilon. Bah, améliorer la base, on est d'accord, quand tu dis base, hein, c'est là où tu crèches. Améliorer, pas vraiment. Disons que, de ce que j'ai cru comprendre du jeu, quand tu fais des missions secondaires, voire tertiaires, des planqués comme je viens de faire, bah tu vois, je ramène des gars à la tour. Donc, potentiellement... Les gars que je sauve en ville et que je ramène à la tour dans les missions secondaires peuvent offrir des choses. Alors offrir des choses, c'est encore d'autres quêtes et du matos et récompenses d'expérience et de la thune voilà, en bonus. Mais dire améliorer la base, pas vraiment, ouais, tu vois, c'est pas... On va pas se retrouver avec un canon militaire au 13e étage... À pouvoir dégommer les zombies tout autour de la tour. Non, faut pas déconner. Mais bon. Il y a une quête particulière qui est la quête des ampoules ultraviolets qui permet de justement de faire fuir les rapaces et autres super zombies de nuit. Et ça sécurise vachement la nuit la tour. Mais à part ça, on peut pas dire qu'on améliore la base. Qui marche mieux? Oui, le talkie-walkie. Le talkie-walkie. Encore des oh, magnifique. Et oh là là, je suis en joie à l'idée de retrouver mes flèches explosives. Dans les munitions, on sait que je les ai à gogo. Oh, c'est cool. C'est le bonheur. Rapide inspection de mon inventaire. Je vais aller dans mon sac. Ouais, j'ai trop de trucs. Faut que je vide mes poches. Non, ça je garde. Les shurikens, j'en ai rien à péter. Alors, les armes de jet, c'est pas mon truc hein, dans le jeu. C'est pas du tout mon truc. Je kiffe pas du tout. Ouais, après c'est bon. Oh, on va peut-être changer de tenue pour le délire. Un tracer. Oh, éclaireur, il est beau. Éclaireur. Éclaireur. Dans le jeu, il est 14h25. Oh, le temps de rejoindre la zone. À mon avis, la nuit va tomber naturellement. J'aurais pas besoin de faire tomber la nuit pour
D'ailleurs, ce que je suis tenté de faire, c'est de couper ma vidéo YouTube en deux maintenant. Ça fera un bloc de 2h30 d'un côté et 2h30 de l'autre. Attendez, 30 secondes, je vais faire une manip pour moi. Parce que j'aime plus trop balancer des vidéos trop longues de 3-4 heures. Je sais que c'est pas spécialement apprécié. Exception faite des dimanches après-midi, surtout le camion, quand on papote entre nous. D'ailleurs, il faudra que je fasse un podcast. J'ai toujours pas pris le temps de faire ça. Ça fait... ouais, presque 2 heures. Ouais, bah je coupe en deux là.